Mais salut tout le monde, c'est Mister de White Knight et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon version Dark Violet. Je vous retrouve donc après un épisode à marquer dans les annales, un épisode où on a réussi à faire moins de 40 minutes. C'est fou quand même, non? Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller affronter l'arène de... Non, l'arène de Jadiel. Donc, arène dont, pour laquelle nous avions vu bien sûr, qu'elle était tout bonnement comme les... Comme les dernières arènes, bien sûr, elle était de type sol. Alors, Gym Guy, what's up, champion making? Alors, comment ça va, mon champion en herbe? J'ai quelques limonades pour toi cette fois-ci. C'est quand même plus goûtu que l'eau fraîche ou le soda pop. Eh ben, très bien, de la limonade. Parfait. Tu connais le deal? Je te... Si tu as besoin d'aide, tu n'as qu'à me parler, tu n'as qu'à venir me voir. Ok, alors donc comme d'habitude on va essayer d'affronter la plupart, voire tous les dresseurs hein, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Et nous allons commencer par toi. Your Pokémon will cower at the crack of my whip. Ton Pokémon va s'enfuir au claquement de mon fouet. Tu te le dis, on verra ça. Je suis pas convaincu mais, on sait jamais. Alors, Dugtrio. I'm not that sure. Blastoise. Donc on va mettre Water Pulse en premier. Ah non, il a tunnel. Très bien. Je n'ai pas peur. Alors, donc, bah Water Pulse. Hein. Bon, ça va. Ça va, ça va. Donc je pense très sincèrement que, étant donné qu'il y a pas mal de dresseurs, cet épisode ne sera consacré en tout cas qu'à l'arène comme... Comme à mon habitude, hein, bien sûr. Marowak, c'est donc ossature. Très bien. Water Pulse. Je pense que ça devrait suffire. Ou pas. Taillad. Ça va. Et on le termine avec Aquatail. Ce qui est suffisant. On est bon. Et voilà, voilà. Waouh, Whiplash. Et ouais, c'est toi qui t'es fait avoir. Et toi? The truly talented one with style. Ok, le véritable talentueux gagne avec style, mais bien sûr. Grolem, ça va être rapide. Blastoise Water Pulse now. Et voilà, c'est terminé. Easy. Presque level up. I lost my grip. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, on va passer par ici. Ce qui nous mène ici. Un autre Ace Trainer. Hey, you must be running out of steam by now. Comment ça? Comment ça, je commence à être rouillé, mais non. Enfin, où je commence à plutôt ne plus avoir de vapeur. C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. Donc à court d'énergie. Mais non, pas du tout. Encore frais dispo, mais oh, faut pas croire. Et voilà, et de 1. Rhyhorn. Oui, niveau 44. Et Onyx. Voilà, c'est bon, c'est pareil. On va pas changer non plus. Onyx, go! Et c'est un KO en un coup! Total knockout! Eh oui, toi t'as plus d'essence. Et toi, petit montagnard. I'm working myself into a rage! Oh, attention! Graveler. Ok, ça va aller vite aussi, je pense. Pouh. Et ben voilà. Donc à noter pour vous, en tout cas, que je tourne cet épisode quasiment à la suite du dernier. C'est-à-dire que
Bah je tourne le lendemain en fait. Tout simplement. Pour essayer de prendre en tout cas un maximum d'avance pour... Alors après, je sais pas du tout quand est-ce que ça sortira. Hein. Moi je tourne ça, on est début septembre. Donc vous promettre que ça sortira dans le courant septembre, peut-être pas, hein, on verra. Si j'ai suffisamment d'avance sur les vidéos que j'ai tournées, peut-être. Sinon ça viendra quand j'aurai le temps de faire plus, en tout cas, pour essayer de vous proposer plus. C'est un épisode tous les 3 mois, je pense qu'à force ça commence à être chiant pour vous. Et encore, tous les 3 mois je suis gentil, je pense. Alors, suivant. Donc on retourne par ici. Oui, non mais, oui. Ça c'est fait, donc on va repartir par là pour affronter les deux autres Gugus par là-bas sur la droite. Et pour ça, il faut. Alors, il faut faire ça. Non, faut... non, j'étais bien parti en fait tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on va pas par là. Non, il fallait aller sur celui qui était en bas. Je suis toujours aussi nul avec ces trucs. Hop. Et il faut aller ici. Ensuite, on parle à toi. Viridian Gym was closed for a little while. But now, we have a new leader. Donc l'arène a été fermée pendant un petit moment, mais maintenant, ils ont un nouveau chef. Un nouveau champion. Marowak. Alors... est-ce que Aquatail... Ah, déjà, Aquatail est une attaque de priorité, ce qui est pas mal. Mania, je m'en... tamponne un peu. Donc Aquatail est déjà... attaque de prio, c'est bon à savoir. Et ça fait quand même ce petit dégât. Ouais... le pistolet à eau. Non, c'est que j'ai... apparemment, j'ai l'air plus rapide que lui. Parce que j'étais pas plus rapide que celui d'avant. Paf, niveau 45, allez. C'est ça qu'on veut, c'est ça qui est bon. Graveler. Alors là, on va changer, on va appeler Machopper. Il n'y a pas de raison que Tortank prenne tous les niveaux. Et on va faire un cross chop. Et voilà. Niveau 42. D'ailleurs, quand est-ce qu'il évolue en match au Mackhunger? Merde, j'ai pas vu que c'était Doug Trio, je crois. Ouch. Mes oreilles. Ça doit être Doug Trio. Je pense que vous avez dû entendre ce petit dealing qui disait que une prise jack a été branchée sur Windows 10. 3 ans après, bien sûr. Oui, c'était bien Doug Trio. Il fait tunnel, là. Alors la question, c'est est-ce que je vais prendre Cher ou pas? Oui. La réponse est oui. Bah, on va renvoyer plutôt Kadabra. Ah, finalement, on aura peut-être le temps d'avancer un petit peu plus. Psychic, ça devrait suffire. Oh oui, largement. Ça, c'est fait. I was beaten? Yes. You them are beaten. Quand même, petit revive. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais d'abord la super potion. Hop. Voilà. Et on va continuer. On va continuer par là. Oui. Pokémon and I, we make wonderful music together. Oh. C'est mignon. Alors, Doctrio. Nice, if you want. Water Pulse. Earth Power, Tellurie Force, il me semble. Pas mal, pas mal. Et paf. Voilà. Et deux. Ensuite. Ensuite, Marowak. On va pas changer. Aquatail.
et c'est le chaos. Parfait. You are in perfect harmony. Thank you. Alors, ensuite de toi. It's nice to finally have a lady in this gym. De your ass. Non, je plaisante, bien sûr. Rhyhorn. Ah, dommage que j'ai pas mis... que j'ai pas mis ma chopper en premier. Il aurait pu s'éclater. Super effective, of course. Et Graveler. Yes. Et donc là, du coup, on envoie ma chopper. Qui va faire le taf? Est-ce qu'on fait Vital Throw? Non, low kick, ça peut être drôle. Enfin, une petite balayage, pardon. Et voilà. Parfait. Aïe! Ok. Très bien. Si tu le dis. Et hop là. Nous voilà donc devant la championne. Alors, on va soigner un petit peu. Je dois avoir de l'éther qui traîne quelque part. J'avais. Non, là. Aether. Non. On va pas faire de conneries. On va faire sur Water Pulse. Ne pas se tromper. Puis on est parti. Hein. Let's go. Can you believe it? Peux-tu. Pouvez-vous croire ça plutôt? That I'm actually a gym leader now. Ah, je suis actuellement un champion d'arène. I can't believe it either. Je n'y crois pas non plus. I remember one time when you were just a little kid. Je me souviens de cette période où tu n'étais qu'un petit enfant. Toi et Blue. We're talking about how cool. Ils sont en train de parler de. À quel point ce serait cool de pouvoir affronter un champion d'arène. Et regardez-vous maintenant, les mecs. C'est. Et c'est vraiment fou à quel point le temps passe vite. Ok. C'en est assez. Tu me connais depuis maintenant pratiquement ta vie entière. I learned a lot just from battling you. J'ai appris beaucoup à ton sujet rien qu'en me battant contre toi sur la route 25. Et je dois bien avouer quelque chose. Tu es venu ici pour me défier en tant que champion d'arène de Jadiel. Et si ça avait été moi? Je ne serais pas venu te défier en tant que champion d'arène. Au lieu de ça, je vais te défier en tant que la grande sœur de ton rival, Blue. Si je te défie en tant que champion d'arène, le match serait trop facile pour toi. Et je sais que tu peux faire mieux que ça. Je crois en toi. Allez, c'est parti! Eh bien, c'est parti. Let's go! Alors, The Trio, niveau 45, ok. Aquatail, Night Slash, c'est comme Tranche, mais Tranche type ténèbre en fait. Ouh, ça fait mal. Ok, Steelix. Steelix, donc de type acier sol ou acier roche? Acier sol, il me semble. Donc on va pas changer. Wow! On va faire donc Water Pulse. L'avantage, c'est qu'il est très très lent, Steelix. Ok, c'est correct. Sandstorm, si tu veux. Donc il déclenche une tempête de sable. Oui, bon d'accord, je suis touché par la tempête de sable si tu veux, mais tu es KO. C'est déjà ça. Ok. Très bien. Next. Who's next? Iron Defense, non. Mur de fer, pas envie.
Next will be Marrow Oak. Marowak. Ok, bon, on va faire pareil, on va tenter un Aqua Tail. Parce que lui va bien me faire Osmerang, je pense. C'est fou, je suis plus rapide qu'un ossature, dis donc. Earthquake, séisme, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ah, ça, je m'en doutais. Et il m'en doutait. Donc là, on va envoyer Kadabra, puisque Machoc, enfin Machopper plutôt, ne ferait rien. Ne ferait pas suffisamment de dégâts en tout cas. Donc là, je pense que Psychic suffit largement, très bien. En plus, il n'y a pas de potion de soin derrière, donc c'est parfait. Et Kadabra niveau 44, pareil, quand est-ce qu'il évolue en Alakazam? Et Sand Slash, donc qui est Sablero. Ok, donc c'est son Pokémon le plus fort. Très bien. Alors, Psychic. Bon, ça va, je suis plus rapide quand même. J'aurais pas cru, mais. Ok. Stone Edge. Wouah! Ça fait super mal! Ah, c'est horrible! Ok, ça va être chiant. On va quand même tenter de placer un petit coup de croix. Hein? Accélérer. Quoi? Ah non, oui, il a une baisse citrus. Oui, d'accord. Ok, donc la tempête de sable s'était arrêtée. Et là, elle recommence. En espérant un petit coup. Non, tant coup critique, t'avais pas envie. Ça aurait pu être pratique pourtant. Oui, je suis secoué par la tempête de sable si tu veux. Earthquake. Non, non, ouais, c'est bon. Cross Chop. Oui. C'est bon. Yeah. Oh, wow. My little neighbor. Yes. He's clearly the coolest neighbor ever. Ok. Mon petit voisin est clairement le plus cool de tous. Waouh, c'était absolument génial. Je suis littéralement en larmes. Rien que de penser que je t'ai regardé grandir après toutes ces années. Et voilà où tu en es maintenant. Prends ceci et montre-le à tout le monde. C'est le Badge Terre. Ouais. Badge Terre. I'm still kinda new at this whole gym leader thing. Je suis un petit peu nouvelle à tout ce qui touche à ces trucs de champion d'arène. Mais je pense que je suis aussi supposé te donner ça. Là, c'était 26. Earthquake. A very powerful ground type move. Ever since I started studying ecology. D'accord. Depuis les tout débuts où j'ai commencé à étudier l'écologie. Je suis devenu absolument fasciné avec les Pokémon. Enfin, je suis devenu fasciné des Pokémon de type sol. Parce que j'ai toujours pensé qu'ils étaient une partie de la Terre elle-même. Ok. T'as fumé quoi? Parce que ça a l'air de la bonne quand même, hein. Très bien. Non, 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 non. J'ai pas pris la bonne direction. Parfait. Très bien. Bravo moi, hein. On peut le dire, je pense. Non. Je vais pas m'en sortir. Par où qu'on sort? Ah, où la sortie? Et où la caméra? Là. Ici. Ah bah tout bêtement. Bravo. Voilà, voilà. Alors. Petite thématique. Ah mais oui, sinon c'est pas drôle. Voici Blue. Est-ce que tu viens juste de battre ma sœur? Quoi? Tu as le badge Terre? Félicitations. Enfin je crois. Daisy m'a fait promettre de te donner ceci si tu gagnais son badge. Oh, la CS02 vol, enfin, nous avons vol. This hidden is fly. Apprends-le à un Pokémon qui a des ailes ou quelque chose qui permet de le faire voler et il pourra t'emmener dans toutes les villes que tu as visitées auparavant. Et elle a également un autre cadeau pour toi. The Experience Share, nous avons également le Multi-Exp.
The experience share lets a Pokémon earn experience points even if it doesn't actually battle. It's useful for training weak Pokémon. Let me make it clear that these gifts are from Daisy, not me. Laisse-moi être bien clair sur une chose, c'est que ces cadeaux ne viennent pas de moi, ils viennent de Daisy. I don't know about you, but I'm heading to Fuchsia City. Je ne sais pas pour toi, mais maintenant ma prochaine direction sera Safrania. Je crois que c'est Safrania, ou Barmani. J'ai un doute. There's a Pokémon gym here. Ah non, c'est Barmani. And there's also a Safari Zone. Donc il y a là-bas une arène Pokémon, mais également le parc Safari. Une zone Safari. Où j'ai entendu qu'on pouvait capturer des Pokémon rares. Tu ferais bien de te rendre là-bas toi aussi. J'aime bien avoir un rival fort, parce que ça me motive à être encore plus fort. Bon, allez, à plus. Tchuss. Ok, donc prochaine direction. Barmani, Fuchsia City. Donc pour ça, nous allons devoir... Alors avec... oui, bon, ça fait 20 minutes, hein, donc je pense que on va tout à fait pouvoir se rendre à Barmani. Ça va être assez simple, hein, normalement, si ça n'a pas changé. Alors, le plus simple serait d'apprendre vol déjà à notre petit pigeon. Fly to Pidgeot. Yes. Oui, alors qu'est-ce qu'on va lui faire oublier? Wing Attack, Feather Dance. Bah, Ghost. Voyons, Tornade. Ça sert plus à rien maintenant. Et pouf! Machine Set. Oui, il a pris vol. Donc nous allons nous envoler vers Céladopole. Hop là. Bah non, de toute façon, alors si, il y a deux façons d'y aller. Soit par ici, soit par ici. Donc finalement on va peut-être pas prendre Céladopole parce que à moins que ce soit plus barré. Ou alors sinon c'est passé par Vermilion City. Mais non, parce que je crois qu'on ne peut pas, que c'est que dans un sens, je sais plus. Si pourtant, on devrait pouvoir. Qu'est-ce qui serait le plus simple? Sachant que là il y a plein de dresseurs ici. Sur ce truc là. Il y en a un peu moins par là. Et puis vous savez quoi? Finalement, on n'est pas bien là comme ça, 20 minutes. Hein? Bon, si, hein. Donc on va s'arrêter ici. Oui, je sais, vous n'avez pas envie, je sais. Je peux vous entendre d'ici. Mais finalement, si, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là et la prochaine fois, promis, on part en direction de Parmani. Nous allons certainement rencontrer Koga, le maître des types poison. Et puis voilà. Donc moi, d'ici le prochain épisode, d'ici cette rencontre, je vous laisse. Je vous souhaite très bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, pourquoi pas. Et puis à très bientôt pour un prochain épisode de Pokémon Dark Violet. Allez, salut tout le monde!